Hola amigo, c'est Superbe88, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, c'est plutôt nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de Outlast with Slumblower. Dans le dernier épisode, eh ben, on a rencontré l'homosexuel. Voilà, donc là, il y a un instant, il a essayé de nous couper le sexe avec une scie. Ça aurait pu être une sensation très désagréable. Oh putain, là. Non. 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 Mais je peux rien faire contre lui. Oh putain, il y a un nombre de corps. Me quitter, c'est ça? Vous voulez me quitter? Très bien, barrez-vous, vous et le reste de ces salopes ingrates. Bon, on a terminé là, l'autre mot là. Alors là, il y en a un plan. Vocationnel bloc. Administration bloc, sévère. Cette porte nécessite une clé. Oh. Sans blague. Ok, trouver la clé pour accéder à l'aile des hommes. Ah oui, on est en train de faire le plein de batterie là maintenant. Notre jambe cassée. Je crois qu'on leur verra plus l'homo. Je crois qu'il a lâché l'affaire. Oui. Ah, très bien, il y a un corps. Quelqu'un qui a essayé de s'évader. Ah oui, super mort en fait. Ah, c'est le tas de corps que j'avais vu juste au-dessus. Il y avait une fenêtre. Ah ouais, c'est une salle de gymnase en fait ça. Ah ouais, plein de corps suspendus. Je me demande c'est qui a fait ça. Je crois que c'est le mot. Hein. Les épouses de Barbe Bleue. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Des corps qui pendent comme du linge mouillé, comme des lapins dépouillés. Des hommes mutilés, chassés et assassinés. Un chemin très court par la violence de la frustration sexuelle. Quelle que soit l'histoire qu'il raconte à lui-même, il ne fait pas des femmes pour. Il fait des femmes pour les tuer. Lisa, je veux que tu cet endroit et toute preuve qu'il y a un jour existé. Corps jeune. Tom pense qu'il est amoureux, il pense que la thérapie le rend meilleur. Tout pue la mort et la peur. La pisse et le sang cuivré. La viande en décomposition. Let's bug. Ah. Oh putain, j'aime pas la sauvegarde.
Ça pue. Hein. J'ai regardé partout, mais c'est impossible de trouver une fille ressemblant à la fille que j'avais en tête. Pfff, tu es cinglé. Je vais rechercher jusqu'à ce que tu... Il est quoi ça? C'est quoi le délire là? Ah, il y avait des choristes là, c'est quoi le bordel? Putain! Ah putain! Ah putain! Ah! Mais dégage, enculé, va! Mais en même temps, marrant. Mais... Ok, donc je prends quand je prends la clé, on va essayer de faire un YOLO.
semblait qu'il y avait un truc qui brille. Vous êtes tous des petits jugements, petits yeux, forçants. C'est pas comme ça qu'on peut donner. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Quoi? Ah, ça y est, gentil. Ouais, bah, mec. Oh, c'est en normal là. Pire plan qu'ever. Ah. Ah mais... T'es marrant toi. Okay. Sinon le jeu serait impossible. Je crois que c'est la quatrième tentative ou la cinquième, j'en veux. Mais oui, mais putain. Dans la pièce là-bas. Attends. Je suis une autre stratégie. En fait, il est où en fait? Il faut que je fasse comme l'autre fois. Il faut que j'étudie ses dépassements.
On est d'accord, hein. Faut aussi regarder le. L'autre côté. L'autre côté des choses, c'est que. Ça reste un bot, quoi. Et un bot, bah, c'est programmé, ça fait ce que. Ça fait ce qu'est demandé. Donc, chaque bot a un parcours. Et. Faut trouver le parcours que ça fait, quoi. Déjà, tu vois. Je reste là. Je pense qu'il est où en fait. Putain. Oui, c'est bien. Dites-moi. La direction je vois. Cinquième tentative, quatrième, sixième je crois. Alors le gymnase. Là-bas on est pas d'accord. Là-bas. Ah bah là c'est juste là en fait. Allez. Dans ton cul. Alors là fallait juste en fait y aller quoi. Sauvegarde. Hop, easy. Je sais pas pourquoi ça me semble trop facile. Ça me semble trop facile. C'est là, c'est là. Oh oui. Voilà. Tu vois. Ça me semble trop facile. One more. Try. I try. Une de plus, je suis You can hang. Oh putain, tu peux pendre. Quoi? Oh. Il va me pendre comme les autres. Les autres, c'est les autres. Putain, il est en train de me pendre là, comme les autres. Ah, c'est la fin du jeu. Oh, okay. God damn it, what are you? Je vais te donner un petit peu. Oh, oh. Oh. Oh, il s'est pris la barre. Nous aurions pu être si beaux. Voilà, au moins ça c'est fait. Voilà, bien fait pour ta gueule. Je te filme. Je te jure, je te filme. Boum, je te filme. C'est filmé, connard. Oui, il est mort.
Il est mort! Il est mort, le chirurgien amateur, père en devenir mari. Ses tripes déchiquetées et sorties de son ventre. J'essaie de ne pas rire. Oh Seigneur Lisa, je te jure que j'essaie. Allez. Wouh! Il est mort! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon gars? Non, non, ne couvre pas, ne couvre pas. Non, non, non. Voilà. Ah, on sait jamais, hein. C'est parti. Mal world. Ok. Oh, chargement. C'est fini. Je sais pas. Les crédits. S'il vous plaît. Non, ce serait nul comme fin. On est toujours dans l'asile, hein. C'est brûlé. Oh. C'est quoi ça? Ah, une musique. Excellent! C'est Dr. Trager! C'est Dr. Trager! C'est lui! On le retrouve mort! C'est comme si mon ancien moi, agent de sécurité, mercenaire, milice privée, quel que soit le nom qu'il porte, ils sont aussi inutiles que le reste d'entre nous. Besoin d'en sortir, fuir! Putain! Je suis passé par là dans le premier épisode! Oh putain, putain, les références du premier. C'est excellent, les... Comment ils ont fait. Oula, ça tire. Tu vois, ça me rassure quand même. Tu vois qu'il y a des tirs. Au moins, il y a des... Au moins, ça réagit, quoi. Ce qui se passe dans l'Asie. Document. On lit. Allez, on lit. Messieurs, un bon travail de préparation a été accompli pour faire en sorte que l'effacement de Rudolf Wernick des systèmes structurels et financiers de Mount Massive se fasse sans histoire. Son âge avancé devrait limiter les soupçons parmi les employés et les contractuels parmi lesquels il était chaleureusement surnommé le gardien de la crypte. Et légalement parlant, il est mort il y a des années. Je vois que le transfert des patients... Lalala, a déjà été programmé. Nous sommes tous terriblement excités par le potentiel d'un nouveau projet. Mes chercheurs ont passé des dossiers de Wernick au peigne fin et n'ont rien trouvé sur les trois rêveurs lucides. Je pense que nous pouvons supposer que Wernick était suffisamment abordé par le succès partiel du cas du patient Billy Hope et par sa propre infirmité. Je crois que Billy, c'est l'homosexuel. Pour ignorer tout de la vraie découverte, nous nous sommes si proches. L'exploitation même minimale de ces ressources est difficile à surestimer. J'espère simplement que le nouveau complexe est assez protégé pour accueillir du personnel féminin afin que je puisse voir ce qui arrive de mes propres yeux. Respectueusement, machin. On se casse. On en a subi, hein. Voilà, c'est Trager. Salut. Je marche sur lui et boum. Bah il est mort. Là tu peux être sûr qu'il est mort, pourquoi? Parce qu'en fait j'étais dans l'ascenseur. Et ensuite l'ascenseur, bah comme il descendait, il était là. Il a voulu essayer de me choper. Sauf que moi je l'ai poussé. Et ensuite bah il était resté entre les deux. Et comme l'ascenseur bah il descendait, il s'écrasait. Il est mort comme ça. Oui, je l'ai vu. Oh. La musique est un peu nostalgique, donc ça annonce la fin, ça.
sauvegarde. Oh, je reconnais ces couloirs. C'est l'entrée. La première salle, c'est une des salles quand on est arrivé ici. Et là, il y a eu un screamer à la télé. Pas mal. On revient dans les premières pièces. Enzo, il faut absolument que tu regardes le premier épisode. Tu reconnaîtrais. Mais oui, j'en connais. Attends, c'est excellent, j'en connais tout. Mais oui, c'est là où il y avait un document. Hein. C'est génial. Est bien rangé, machin. Oh, ça n'a rien à voir. Les chiottes, là, on peut vraiment les voir parce qu'avant on pouvait pas les voir. D'accord. Les chiottes. Hein. C'est une porte en verre, maman. Ouais. Oh, oh là là. C'est l'hall d'entrée. Avec la sortie, là. Oh. Monsieur Park, comment est-il possible que vous soyez encore en vie? Faisons un marché, vous m'aidez et je vous aiderai. Aidez-moi à me lever, s'il vous plaît. Non. Crève, bordel. Putain. Ah boum! Buté par sa propre création! Oh, c'est dégueulasse. Je sens que c'est dégueulasse. Ah! Ah, le Wild Rider, je crois qu'il l'a possédé et ensuite il a implosé de l'intérieur. Ah, c'est dégueulasse! Il a même pas explosé, il l'a implosé. Ah, c'est dégueulasse! Ah, le pauvre, l'état dont il est. Et ensuite, c'est pour ça qu'il y a des... qu'il y a le nom de l'armée, quoi. On vient de les voir. Oh là là là. On est sorti de l'asile. Ah, Mount Massive. C'est la première fois qu'on voit le jour dans ce jeu. Hein. C'est un truc de dingue. Parce qu'on arrive le premier... Ouais, parce qu'on arrive le premier, il fait nuit, hein. Je me rappelle, on arrive là, on va là-bas et on rentre dans la zone. On ressort. La voiture! La voiture du premier quand on arrive! Elle, c'est celle-là! Elle est rouge en plus, oui. C'est ça. Rouge, noir. Normalement, dans le premier, on rentre dans le truc là. Cabinet. On ressort carrément. Il y a un nuage noir là. Non mais tu passes, c'est Wild Rider. Hein. Ouais, c'est Wild Rider. Bouge-toi, putain. Ah bon, c'est la fin. C'est la fin, les gens. Si vous appuyez sur ce bouton, il n'y aura plus moyen de revenir. C'est juste des vidéos pour mettre. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Il n'y a qu'une seule façon. Hein. Bah, en fait, oui, ça fait toujours ça. Hein. Quand tu veux nuire une entreprise, bah, après, bah, l'entreprise elle va tout faire pour tuer toute ta famille.
C'est ce qui va se passer. Transférer la vidéo. Et ben voilà, le jeu est terminé, les amigos, avec Azoctomic. On a bien joué. Bon, tu m'as aidé à quand même à. En 4 épisodes, on a réussi le let's play Whistlemblow. Non, est-ce que tu pourrais regarder le let's play et essayer de compter le nombre de fois qu'on a crié? Oui, ce serait très bien le nombre de morts dans le dans les commentaires, ce serait sympa. Ce serait rigolo. Et le nombre de ouais, dont on a crié en fait. C'est génial. Beaucoup trop. Oui, je pense. Oui, ça va passer mon best-of, je pense. Et oh putain. Et voilà. Ah, le Whistleblower, il est génial. Super. C'est parfait. Hein. Ouais, 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 c'est parfait. Hein. Pour un jeu 2013. Ouais. Il est bien, hein, ce jeu. Hein. Alors voilà. Putain. Noté un des meilleurs jeux d'horreur. C'est pour ça. Pour ça aussi. Donc qui est une autre histoire. Je sais pas si je le ferai. Je sais pas. Dans 2 ans ou dans l'année prochaine, on verra. Voilà. Oui, voilà, après. Putain. Bref. En espérant. Fini. Ah, voilà. Parce que je suis un des pros voilà, qui est presque. Là, il est fini. C'est bon. Il ne manque plus qu'à publier tous les épisodes. Parce que là, j'ai publié aucun épisode de Outlast là, pour l'instant. Donc, voilà. Voilà. C'est déjà en espérant que ce let's play vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, ou sur Twitch, car je live tous les week-ends et les vacances tous les soirs. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de voilà. Très vite avec Azoctomic et ciao.